Ce jour-là, Détroit de Puget, WA USA. Bonjour, vous êtes bien chez James Webb et Nicole Warner. Nous ne sommes pas à la maison pour l'instant. Merci de laisser un message après le... Salut ma puce, c'est moi. Décroche le téléphone, ok? Je sais que t'es là. Écoute, je suis désolé, Nicole. Décroche, s'il te plaît. James, je n'ai plus rien à te dire. Mais on se parle, là, non? Je suis vraiment désolé, Nicole. Mais tu sais que je devais le faire. Non, tu n'étais pas obligée. Tu aurais pu rester ici avec moi. J'arrive pas à le supporter, Jamie. Si tu meurs... Mais je vais pas mourir, bébé. Tu sais bien qu'il y a rien qui peut me tuer. Et si j'ai survécu à une bombe nucléaire, je peux t'assurer que rien ne pourra... Tu étais à Cascade Falls? Ah, t'inquiète pas, je brille pas dans le noir, pas encore. Mais le colonel, je sais pas... Je crois qu'il pense que nous avons échoué d'une certaine façon. Qu'on aurait dû empêcher ça. Et je crois qu'il essaye de se rattraper. Essayer quoi? Qu'est-ce qu'il veut faire? Ne l'oblige pas à faire un truc dingue. Non, écoute... Ne t'inquiète pas, chérie. Je dois y aller, ok? À bientôt. Attends. Je t'aime, Jamie. Je t'aime aussi. Nous foncions à toute vitesse sur Seattle. On pouvait déjà voir le Space Needle à l'horizon quand le haut commandement nous a donné l'ordre de nous arrêter. Il voulait consolider nos forces et que les renforts nous rejoignent. Le colonel s'y refusait, il voulait qu'on continue d'avancer, de peur qu'on manque de temps et que Seattle soit rayé de la carte. Mais le QG nous a envoyés dans le détroit de Puget pour reprendre le contrôle de plusieurs îles. Les Russes y avaient installé des défenses contre les navires que nous devions capturer pour les utiliser contre les Chinois. Le colonel fut rappelé au QG de la division pour des entretiens. Webb, nommé commandant, prit le commandement pendant l'absence du colonel. Tout le monde était impatient d'en finir, mais nous devions d'abord reprendre une île. Et nous allions le faire comme le colonel nous l'avait appris. Rapidement, mais sans pitié. Très bien, Parker. Nous avons pour tâche de capturer les lance-missiles soviétiques sur cette île. Les huiles, dans leur grande sagesse, ont décidé que c'était plus important que l'assaut sur Seattle. Ils utiliseront ces lance-missiles si les Chinois s'emparent de Puget Sound. On n'aura pas une deuxième chance, capitaine. Si vous perdez vos blindés, nous devrons annuler la mission. J'ai le commandement pendant l'absence du colonel. L'assaut se déroulera en deux temps. Vous allez éliminer la DCA sur la plage, puis on fera intervenir les principaux éléments de l'attaque. Wow! Et bravo pour votre promotion au grade de capitaine, Parker. Il était temps, à mon avis. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va s'attaquer à l'avant-dernière mission du World in Conflict. Et Parker, nettoyez cette ZA au plus vite si nous voulons garder l'élément de surprise pour nous. Et nous allons nous dépêcher. Alors, première mission, nous avons la chance. Enfin, moi, je pense que c'est une chance. D'avoir des transports de troupes maritimes, des véhicules amphibies, voilà, chercher le nom. Unité en t-shirt, en avant, on va foncer sur la cible. Infanterie neutralisée. En avant. Nous attaquons avec des roquettes. Donnez vos envois feu. Cible ennemie détruite. Bah, maintenant, vous redemandez après de rentrer dans le transporteur une fois que la... Où voulez-vous sur attaquer les zones cibles. Rentrez dans le transporteur, rentrez dans le transporteur. Voilà. On est tous en avant. Nous sommes tous. On y va. Amphibie en déplacement, on y va tout de suite. Vous écrasez les gens. Vous redébarquez. Nous vous rembarquez. Et voilà. Tout le monde est à bord. On est parti. En avant. Engagez la cible. Bon, on va redébarquer. J'ai peur. Grenade lancée. Équipons, envoyez-les en go. Hop. Donc voilà, nous commençons à arriver vers la fin de ce walkthrough. Hein. J'engage le combat. Tire de couverture. Unité anti-char, bien évidemment, il reste encore la mission de la prise de Seattle. Embarquement dans le transport.
Tout le monde est à bord. J'espère que vous continuez quand même à me regarder jusqu'au bout de cette de ce walkthrough là et que vous continuez à regarder les suivants. Amphibie en déplacement, chef. On se déplace droit sur les coordonnées. Alors, désormais j'ai trouvé, voilà, maintenant j'ai commencé à reprendre en main les logiciels que j'utilise, hein, vu que j'ai dû changer. C'est bon, j'arrive maintenant à réutiliser Fraps correctement, Sony Vegas Pro correctement, et vous avez remarqué que les bandes noires ne sont plus présentes depuis la dernière vidéo. Grâce à un petit coup de main de personnes qui connaissaient mieux le logiciel que moi-même. Je ne connais pas si bien que ça le logiciel Fraps. Donc avoir un coup de main de temps en temps, c'est toujours utile. Hein. Voilà. Bon, faut savoir que si vous augmentez la difficulté, vous avez beaucoup moins de temps pour faire objectif. Excellent, capitaine. Ça va. Les aviateurs sont en attente, prêts à vous apporter ce dont vous avez besoin. Je viens d'avoir l'Air Force. Ils nous promettent tout leur soutien. Réclamez leur aide quand vous voulez. Excellent, Parker. Je suis content de voir que vous êtes toujours aussi rapide. Je vous confie une équipe de tireurs de précision. Utilisez-les dans les bois pour éliminer l'infanterie ennemie. Ce sont mes hommes les plus expérimentés. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Ok, Parker. Il y a deux lance-missiles capables de frapper nos navires sur l'île. Vous devez les capturer intacts et vous retrancher. J'ai réfléchi en fait à ce que je vais appeler. Est-ce que... Je me rappelle jamais en fait de ce que j'appelle à chaque fois, j'ai le même bordel. Je réfléchis tout le temps et je sais jamais ce qu'il faut que je rappelle. Donc on va virer l'hélicoptère scout, on verra plus tard si on en a besoin. Je viens de recevoir l'info. L'assaut sur l'autre île se déroule selon le plan et les troupes ont subi moins de pertes que prévu. Essayons d'être à la hauteur, hein, Parker. Voilà, on va foncer. Bon, en faisant quelques bonus, hein, surtout de l'infanterie aéroportée qui va vraiment être très très utile dans cette mission. Nom d'un chien. Les Russes veulent saboter les lance-missiles. Capturez-les avant qu'ils ne soient détruits. Je suis en route. Attaquez les hostiles. Ennemi abattu. Le snipe. Je suis pas infanterie en mouvement. Ils nous tirent dessus. Cible ennemie détruite. Parker, on signale des véhicules de DCA russes du côté nord. Éliminez-les si vous pouvez. Je suis sûr que l'Air Force va apprécier. Vous voyez, je jongle quand même vraiment un peu partout là, je suis en train d'aller hein. La crème de... On fonce dessus, on va en position. Ouais. On place la marque. Tirez quand paré. Si. Infanterie. À vos ordres. Restez à couvert. Faut qu'on se bouge. Restez à couvert. Attaquez les hostiles. Il faut savoir que c'est énorme. Le temps qu'il vous donne est vraiment énorme. Chasseur de chars, on va, on bouge. Parker, on nous signale plusieurs équipes de Spetsnaz cachées dans les bois. Éliminez-les si vous le pouvez. J'ai de nouvelles infos, Parker. Les Spetsnaz ont été vus au point Charlie 1, Charlie 3 et Bravo 3. Envoyez l'hélicoptère de reconnaissance les repérer plus précisément. C'est pour ça que j'ai pris un icône reco, hein, pour ceux qui se posent la question. Un hélico lourd pour détruire, comme vous avez pu constater, tout ce qui est véhicule lourd, hein, au sol. Et un hélico léger pour s'occuper du reste. Hein. On a besoin d'une frappe. Vous vous débrouillez bien, Parker. Maintenant, retranchez-vous pour défendre la zone. Des nouvelles, capitaine. Crab Claw Island est sécurisé et plusieurs autres îles sont sur le point de tomber. Ça marche plutôt bien pour nous. Bon. Alors, de mémoire. Donc, espèce masse. Je sais qu'il y a un espèce naze ici. Soit j'en suis certain. Par contre, je sais plus où se situent les deux autres. Je crois qu'il doit y en avoir un autre là. Ce qui ne m'étonnerait pas du tout. D'ailleurs, hop. Voilà, un Spetsnaz ici. On y va tout de suite.
verrouiller le missile. Lancez ce missile maintenant. On reprend la route. Jamais ce char. On met la gomme, chef. Vite. Prêt à essayer. Nous sommes en combat. Donc, on va essayer de trouver tous, hein. Je tourne autour des coordonnées et je scanne. Non, il est pas là. Coup au but confirmé. Un Spetsnaz là. Un autre là. Voilà, on les a tous trouvés. Et le dernier il est là. Donc, Spetsnaz ici. Ça c'est des fusillés, donc c'est pas... Non. J'attends à vos ordres. De toute façon, ce qui est important, c'est que vous barricadiez. En avant, on va en position. Infanterie en mouvement. Tour de champ, bien compris. Bon. Nous sommes en combat. Pas encore une celle-là. Barrage d'artillerie sur cette position. Helicon reparé. Reçu. Radar de recherche activé. Changement de cap. Tu vas reconnaître la destination. Hélic, bien compris. Cible verrouillée. Et si, il y a raison, ça va bien être tout. Amphibie, bon, ils vont m'abattre l'Helicon Reco, ça je peux rien faire contre. Hein. Nous avons éliminé la cible. Bien reçu, par un on approche. Terminé. Voilà. Nous sommes en combat. Bien compris. Parez vitesse de croisière. À vos ordres, je suis en route. Infanterie parée. Passe au combat. Hélicoptère, je prends les ordres. Changement de cap. Caméra IR activée. En avant. Où dois-je aller? Ça va être compliqué. Pas vous mentir. Un hostile de moins. Sur les coordonnées. Vous pouvez compter sur nous. Bon, on va tenter déjà de retrouver le dernier, hein. Que... Bon, bah le dernier il est là, voilà. Donc le bois ici, le bois en bas de la colline, et le bois là. Là où se trouvent tous les Spetsnaz. Voilà, un coup de lance-grenade, ça va très vite. Enfin, quand lance-grenade touche... Dépêchons-nous d'avoir quand même cette DC là-bas. On est attaqué, cible détruite. Bien compris. On va en position, fonce dessus, selon en avant. Occupez-vous de ces Spetsnaz avant qu'ils ne deviennent un vrai problème, capitaine. Okay. Chaque chose en son temps. On place la marque. Tirez quand paré. Voilà. Et maintenant, on envoie. À vos ordres. On va en position. Du travail d'expert, Parker. L'Air Force nous a promis plus de soutien, profitez-en. Une infanterie en mouvement, en bas. Ok. Voilà. Tueur de char, tout ça, tout est tout génial en fait. On va en position, on va en position. Blindé, prêt au chronimat. Amphibie en déplacement. J'ai toujours pris l'habitude de faire toujours tous les objectifs secondaires. A vos ordres, prêt à agir. Mettez en place ce lance-missile et feu à volonté. Un hostile de moins. Infanterie attaquée. Vous avez débarrassé d'une vraie épine dans le pied, Parker. C'était les troupes d'élite que vous avez éliminées. Bon travail. On est prêt à l'arrivée. Et maintenant, voilà. Encore un autre sniper. C'est pour ça en fait que j'ai attendu un peu. On est en route, chef. Et ici, vous positionnez en fait vos troupes là, comme ça, ça empêchera les ennemis de monter. Maintenant vous pouvez récupérer tous vos troupes. On va foncer sur la cible. Utilisez contre. On va foncer sur la cible. On est en route, chef. Droit sur les cordes. C'est juste une question que je me posais. On y va. Terminé. C'est ça. C'est DCA lance-roquette. Contre leur position là. On y va tout de suite. Donc en gros. Évitez les. Non. Oui. Non, ça dépend en fait. Voilà, j'ai dit encore une bêtise. Pour cela, c'est mitrailleuse DCA. Unité perdue. Unité perdue. Ah, c'est l'hélicon Recos, c'est pas grave du tout. L'hélicon Recos, c'est vraiment... Une fois que vous avez eu les Spetsnaz, bon, quand vous en rappelez pas où c'est pour ça que je le prends. Mais une fois que vous avez tué les Spetsnaz, vous vous en fichez de le garde. Complètement. En avant. Okay. De mémoire ici il y a une infanterie. Okay. Au moins que ce soit cette baraque là, on verra bien. On va en position. À vos ordres. Vous avez planté, c'était sexy, c'est pas grave. En avant.
Donc voilà, on capture cette zone. Voilà. Ici, vous... Ah non. D'accord. Bon, tant pis, gars. Bon, vous neutralisez cette position à DCA, vous utilisez votre licor pour dégommer déjà l'unité mitrailleuse, étant donné que c'est seul... Quand pas de DCA, c'est la seule unité de défense qui peut attaquer les hélicos. Bon, c'est extrêmement plus faible qu'un... C'est beaucoup moins efficace, je veux dire, que... qu'une DCA de défense. Donc faut pas se dire, waouh, on a mis une mitrailleuse, c'est efficace contre les hélicos. Non, non, c'est beaucoup, beaucoup moins efficace. Et je veux dire que ça prend du temps. Et essayez d'abattre tous les hélicos. Bon, je sais pas pourquoi utiliser le fumigène, ça sert à rien. Pour éviter justement, si vous abattez les hélicos, ça évite que l'ennemi repère vos troupes ici. Donc ça vous permet de continuer la mission tranquillement. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon. Pour ceux qui s'attendent, ils ont déjà dû se douter s'il y a plein de troupes. Voilà ce qui nous attend par la suite. Voilà. Donc préparez-vous bien. Véhicule neutralisé. Vous pouvez qu'en avant. Vous y êtes presque, capitaine. Installez vos défenses rapidement. Voilà, j'appellerai ça. Ça pour réparer. C'est pour ça que je prends une vie. Ça me permet toujours de réparer un peu mes véhicules. Hein. Je sais pas combien je peux installer, combien de points je vais récupérer. Plutôt combien je suis limité en points, donc dans le doute, on va cramer un peu les bâtiments. Bon. Ce soldat ne fera plus parler de lui. Bon, vous avez des fusils, tant mieux. Voilà. La palme larguée. Terminé. Stoker en rapport. Nombreux ennemis morts dans la zone. Terminé. Bravo, Parker. Vous devez maintenant protéger ces lance-missiles jusqu'à ce que toute l'île soit sécurisée. Il y a encore des points, voilà. Tu as attendu pour la bombe nucléaire sur Seattle? Ils ont balancé une bombe sur Seattle? Non! Mais le président a prévu de le faire si on peut pas foutre les Russes dehors! Ah mais c'est de la folie! Debout vous deux! Allez! On avance! On avance! Hé hey, mec! Ne perds pas ça, ok? Ouais, ça c'est pas plus grave que ça! Je trouve pas de fil. Ça a pas de pile, c'est bête! Nous y sommes presque, Parker. Il ne reste plus que le principal camp russe. Il est installé dans la marina du côté nord. Nous allons devoir le détruire pour sécuriser l'île. Voilà. Ces chars seront bientôt de la ferraille. Ici Hunter, char hostile en cible prioritaire. Voilà. Bien évidemment, sous... Si vous regardez un peu, j'essaie de dégommer tout ce qui est anti-air. Voilà. Et maintenant, en attendant, étant donné qu'on ne peut pas réparer le terrain, on doit réparer tous nos véhicules. Plutôt, je veux réparer tous mes véhicules pour éviter qu'ils soient endommagés pour la suite. Ah, en fait, j'aurais même pu appeler un deuxième véhicule d'attaque, je suis en train de réfléchir. Ça aurait pu être utile. Ah bon, pas grave, hein, c'est... Ce soldat ne fera plus parler de lui. Ici Hunter, voilà. Ici, voilà. Hostile dans la zone annihilée. Terminé.
le code assaut est vraiment utile là. Au pire, en prenez un deuxième là, avec les 1200 points qu'il vous donne. Pas à peine que vous ayez beaucoup de troupes au sol, vraiment. Le plus important, c'est vraiment que vous ayez beaucoup de troupes efficaces. Donc, je pense qu'avoir un hélico de plus, ça peut vraiment être utile. Ça évite de. Qu'ils ont beaucoup de. Ouais, vous constatez que les seules défenses entières qu'ils ont, c'est sur les points. Donc, il suffit que vous évitez un peu les points. Les défenses entières, c'est un peu vous en fichez complètement. Livraison de napalm pour bientôt, restez pas dans la zone. Voilà, ça s'est réparé. On va essayer d'aller en deux temps. Commencer à nettoyer ça pour envoyer déjà des chars et sécuriser les premiers points. Et bien évidemment, surtout pour qu'infanterie avance. Bon, je vais vérifier un truc, je joue à Wargamer Land Battle. Le feu, quand l'infanterie est dedans, ne sert à rien. Voilà, ça... C'est bien, vous crame tout, mais bon, c'est tout. On crame. Voilà, donc... Nos blindés vont pouvoir commencer à avancer. Nos véhicules transports suivront un peu après. Et notre infanterie va s'occuper des bâtiments. D'ailleurs, c'est une des missions où je conseille mieux vaut avoir plus d'infanterie que de véhicules. Hein. Quelques hélicos en soutien, bien évidemment, parce que là, sur cette mission, des hélicos, c'est la vie. Restez, j'engage le combat. C'est impossible avec nos tubes. Parce que ça permet. En plus, vous voyez qu'ils sont en train de me reprendre le point. Ben, hop, vous envoyez un hélico. Et hop, on reprend le point. Ça permet. C'est une. Les hélicos, c'est vraiment tout ce qui vous permet de bouger facilement sans ennui en fait. Voilà. Donc on va. Avec... Les chars là se mettent ici. Finissons-en qu'on puisse retourner à Seattle et participer au vrai combat. Par contre, il a bien morphé Nicolas, c'est la pâche. Voilà. Boum, boum, au revoir. Toi, au revoir aussi. Voilà. Donc voilà, maintenant on peut mettre en place des recos pour ceux que ça intéresse, pour voir où ils arrivent. Donc vous voyez qu'ils arrivent ici surtout. C'est un peu temps, j'engage le combat. Ça a beau en fait, voilà, ça a beau être des unités efficaces contre les. Contre ces troupes là, mais vu qu'elles sont d'élite et de dernier level, quasiment tous, c'est efficace quand même. Très bien, Parker. Nous avons recapturé l'île et les deux emplacements de lance-missiles. Ça passera aux Chinois l'envie de venir dans le secteur. Parker, je viens d'avoir le colonel. Il se prépare pour l'assaut final sur Seattle et nous devons y participer. Je vous retrouve au navire et on prendra un hélicoptère pour entrer sur le continent. Et voilà, nous avons accompli cette mission. Comme vous voyez, c'est l'avant-dernière mission est plutôt soft, hein, assez tranquille. Et c'est ainsi que nous avons capturé Batrice sur Sandfish Island, ce qui va permettre de retarder Fochinos quand il approchera de Puget Sound. Le temps gagné permettra de tenter un dernier assaut sur Seattle avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons accompli toutes les missions, secondaires et principales, ce qui nous a valu la citation à l'unité de l'ordre des opérations et à la Légion du Mérite. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette avant-dernière mission du Walkthrough de World in Conflict. D'ici la prochaine fois, portez-vous bien et vivez vos jeux vidéo.